Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Pratiquement en Italie, nous venons de finir notre séjour en Italie avec une grande croisade qui nous a apporté beaucoup d'expériences, surtout sur le plan positif. C'est pour dire, les bien-aimés d'Italie ont tellement bien reçu. Nous sommes à l'aéroport de Verona, donc pour partons pour Paris. On devait aller, n'est-ce pas, sur l'Allemagne, mais on devait pas. C'était épuisant parce que je suis très épuisé. Il ne fallait pas prendre trois vols. Or, il fallait prendre trois vols pour arriver à Munich. C'était vraiment pas possible pour moi. Il fallait que je rentre à Paris pour préparer le programme de Danemark. Et puis maintenant, Danemark, on aura l'occasion de transiter sur l'Allemagne. Et puis après, on aura l'occasion de voir la Belgique. Et nous sommes en train de préparer un événement à Paris. Et c'est pour le 6 mai. Voilà, pour le 6 mai, et en même temps, profiter pour recevoir des gens en privé. Mais j'en profite pour dire l'expérience que nous avons vécue en Italie et puis en Suisse. C'est une des expériences qui nous ont vraiment fait du bien. Parce que c'est les bien-aimés qui sont levés volontairement pour organiser, sans rien demander, sans chercher à avoir un rond. Au contraire, ils ont contribué pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Or, à Paris, je me rends compte que les gens veulent faire de cette histoire leur business. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre l'argent dans la poche. C'est pour cela que je mets du temps pour organiser Paris. Si je continue de constater encore ces gens détruits, je serai obligé de suspendre le plan de Paris parce que je ne suis pas venu pour enrichir quelqu'un à Paris. Je ne suis pas quelqu'un qu'on doit instrumentaliser pour avoir de l'argent. Voilà, mon histoire, c'est l'évangile. Je ne suis pas en business. Voilà, donc je préfère vous dire la vérité. Si je rentre sur Paris, que ce n'est pas bien organisé, que je vois que c'est un peu bizarre, franchement, je serais obligé de vous dire que je suspends le programme de Paris et je m'aide tout droit. Maintenant, c'est la sœur Nadège. Si vous voulez contribuer, c'est la sœur Nadège. Edwige, Nadège, plutôt autant pour moi. Vous appelez le secrétariat de la Côte d'Ivoire pour votre contribution. Si je vois que rien n'est prêt, j'aurais obligé de suspendre. J'ai fait une vidéo pour arrêter le programme de Paris. Je m'arrive ailleurs pour d'autres programmes parce que j'avance. Je veux avancer, je ne veux pas faire du business. Voilà, donc c'est gratuit pour Paris. C'est pour le 6 mai. Voilà, donc copier sur les gens, ils nous ont bien logés, ils ont bien nourris. Voilà, donc gloire à Dieu. Ils nous ont tout donné, tout donné, tout donné. Voilà, ce que tu as dit. Le président de l'organisation, hein, le responsable de l'organisation de programme de l'Italie. Merci beaucoup, nous remercions d'avoir le Seigneur pour la présence du prophète Crasso. D'accord, ok. Je me nomme Didier Abba-Fernand, le président de la délégation de l'Italie. Nous remercions le Seigneur de tout cœur. Nous remercions aussi le Seigneur du fait qu'il a pu garder le prophète en vie, qui a fait tant de miracles ici, qui a démontré vraiment vraiment la puissance du Seigneur sur l'Italie. Aucune personne ne pourra se plaindre sur l'Italie de sa présence ici. Nous sommes tous témoins. Il a reçu tout le monde. Tout le monde est satisfait. Tous ceux qui étaient présents sont satisfaits, y compris même les hommes de l'organisation. Donc vraiment, nous ne savons que dire. Seulement remercier le Seigneur, que le Seigneur donne encore une grande force, toute l'onction que le Seigneur peut lui donner, puisse lui donner, pour que tous ceux qui n'ont pas vu, qu'ils entendent cette vidéo, qu'ils s'en rendent compte de la réalité que le Seigneur lui a donnée, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent. Ceux qui peuvent s'investir, qu'ils le font, qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de la sorcellerie, que nous voulions ou non. Il a démontré en séance tenante des sorciers qu'il a délivrés devant nous. Ceux même qui doutaient ont eu l'occasion de voir la réalité en 5 minutes, rendre la vie aux gens. Les familles qui étaient désespérées ont trouvé le sourire. Les familles qui étaient divorcées ont retrouvé la joie. Nous avons vu ça hier de nos propres yeux. Ce ne sont pas des films, c'est la réalité. Donc, alors nous disons merci. De par ma voix, je remercie aussi toute l'Italie qui était aussi présente, tous ceux qui étaient aussi là, nous disons merci. Nous disons aussi merci au prophète Crasso, qui est aussi la force au niveau de la Côte d'Ivoire de remonter tout le monde. Mais au niveau de l'Italie, ce n'était pas seulement l'Italie, les Ivoiriens. Il y avait aussi la communauté camerounaise, congolaise, ghanéenne, avec qui nous sommes mobilisés pour dire que la chose ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça concerne tout le monde entier. Que tout le monde s'y mette pour le faire. Merci beaucoup. Amen. Voilà, c'est pour dire merci. Vous voyez ce monsieur, vous lui direz merci de notre part. Un monsieur très sage, un doyen qui nous a su soutenir, qui a été le conseiller. Voici, c'est bien aimé. Je tenais à souligner quelque chose, parce que la demande des gens d'Italie, ceux qui n'ont pas pu se déplacer parce que c'était très loin de leur, n'est-ce pas, province, de leur ville. Nous avons laissé des bouteilles d'huile d'onction. Vous pouvez contacter le frère. Les bouteilles d'huile sont déjà là. Donc j'ai une représentation, c'est lui. Il n'y a pas deux représentations, c'est lui. Et puis en même temps les CD, mon tout dernier CD à cause de toi est encore en stock ici. Pour ceux qui veulent vraiment avoir la chose, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le frère Dibi Ferna pour vous procurer des CD où tu laisses son contact ici. Mon numéro ici à Vérone, mon numéro c'est le 3. Mais je préfère plus que... Plus que la Côte d'Ivoire d'abord. Non, non, plus. 0039. Voilà, 0039. 0039 3 39 7 9, 6, 40,
52. Je reprends 0039 pour ceux qui sont hors de l'Italie. Ceux qui sont en Italie, ça fait 339 796 40 52. Mon nom, c'est Dibi Agbaferma. Voilà, donc c'est fait. Hein. Voilà, shalom et à très bientôt. Que Dieu bénisse.